Et salut, salut, c'est Aurélie. On me demande souvent qu'est-ce qu'on peut utiliser comme après-shampoing lorsqu'on utilise des shampoings solides faits en saponification à froid. Oui, car les shampoings solides ont tendance à rendre les cheveux rêches ou pas toujours faciles à démêler. Et pour cela, il y a une solution que j'avais envie de partager. L'après-shampoing ou eau de rinçage au vinaigre de cidre est juste magique. Ses bienfaits pour la chevelure sont nombreux. En plus de démêler, il possède un effet antipelliculaire, accélère la pousse, redonne de la brillance et lutte contre les cheveux gras. Alors comment faire? Ben, tu prends du vinaigre de cidre, si possible bio, de l'eau, une bouteille vide où tu vas faire un trou dans le bouchon pour que tu puisses l'utiliser comme bec verseur sur tes cheveux. Moi, j'ai planté un clou pour faire le trou. Tu prends la bouteille, tu y verses du vinaigre, mets-en l'équivalent de minimum un quart, maximum un tiers, moi j'y vais à l'œil. Tu complètes avec de l'eau. Tu refermes et c'est prêt. C'est tellement facile et rapide. Alors comment l'utiliser? Lorsque tu prends ta douche, tu laves comme d'habitude tes cheveux avec ton shampoing solide. Et après l'avoir rincé, tu prends ta bouteille avec ton vinaigre et ton eau, tu la secoues pour bien mélanger le vinaigre avec ton eau, tu verras ça fait un petit peu de mousse, et ensuite tu verses simplement le mélange sur ta chevelure. Pas d'inquiétude, l'odeur ne reste pas. Tu laisses agir une petite minute et tu rinces. Voilà, c'est tout. Franchement, je te conseille d'essayer. Depuis que je fais ce soin, mes cheveux régressent beaucoup moins vite, ils se démêlent facilement après la douche et ils sont doux et soyeux. Comme tu peux voir ici, avant le shampoing, mes cheveux sont sales et après mon shampoing, mes cheveux sont beaux et soyeux. Avec mon eau de rinçage, ils sont faciles à démêler et c'est vraiment top. Il faut savoir que j'ai des cheveux très fins et qui avaient tendance à vite régresser, ce qui n'est plus le cas maintenant. J'ai beaucoup espacé mes shampoings, de 8 par mois, je n'en fais plus que 2. Mes cheveux ont su se réguler tout seuls et me disent merci. Voilà, je te conseille de tester si tu as des problèmes de démêlage de cheveux, ça peut bien t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Des bisous, à bientôt !